Bonjour à tous, bonsoir, bonjour. Alors, on continue avec la deuxième partie. Je vous montre la fin de la première qui était dans la tonalité de Sol majeur et les débuts de la deuxième partie dans La majeur. So, let's start. Continuing with the second part. Let's see the end of the ending of the first part and the start of the second. First part was on the key of G major. The second part is A major. Now, je vais jouer la deuxième partie dans son entièreté et puis doucement et puis voilà et puis je vous montre comment la jouer. So let me play now the first part, the full second part I mean, the second part, and then show you how to play it slowly. Already the third part. Ok, let's start. Alors on va jouer, on commence, on va jouer. This is what we're gonna play. On est dans La majeur. La majeur. La majeur. La majeur. On va jouer cette forme d'octave, La majeur. On va jouer ici. Donc ici, c'est ça la forme. Ok, on va commencer ici sur la 14e fret, 4e corde, et puis 17e fret, 2e corde. C'est ça? Ici, on avance de deux cases. Il faut que ça se tire un peu à la fin pour donner ce son. So, along the English, so we gonna play here on the 14th fret. Fourth string, and then one finger here on the 17th fret, second string. This is our octave. Then we go down, playing this octave. We move two frets down, and then finish with this. Sorry. And then we're gonna play. Bada bada da bada da bada bada. Sorry.
Daba. There is a variation. Okay? Daum ba da ba da ba da ba da ba da. Daum da ba da ba da ba da ba da ba. Daum da ba da. Okay? Now let's see the variation. So the first initial position is. And then the variation would be. We start again here from the start. C'est ça la variation. Donc, commencer ici. On descend comme on a fait avant. Bien, ici. Bada bada da bada 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 da bada bada. Ok, ok, on va commencer ici. 15e fret, second string, this is where we start. 15e fret, deuxième corde. 15 frets, second string, a second string. Okay, we're gonna have to do this. Pardon. Then we play it, maybe play ten, 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 second part. Ok, deuxième partie, la deuxième partie. So there is one, let's break it down like this. One is like a call, and there is an answer. Call again, answer, last call, and ending. Donc la stratégie pour ne pas s'embrouiller, c'est de considérer qu'il y a un appel dans un retour, donc il y a une réponse. L'appel est là, la réponse
appelle. La réponse. Le dernier appel. Et puis on termine. Un appel très agressif. Ok, let's start. 17 frets. 17e fret, 2e corde, 2nd string, 17th fret, start here. Ok, l'appel, the call. Answer. La réponse. 15e fret. 17e fret. Deuxième fois, on va varier l'appel, mais la réponse reste la même chose. Second time, we're gonna put a little bit variation in the call, but the answer will be the same. It will be the answer is the same. So the call is. Okay, so it is. The same. Third time, la troisième fois, on va changer, on va terminer. On va jouer. Change. Ok. Troisième et dernière partie. Récapitulons. Ici, c'est la 9e fret, 3e corde. Regardez ce que je vais faire. 9 fret, 3rd string. Je sais pas. Thank you.
back to the, yeah. Et puis après, vous allez jouer encore. Et puis, pour terminer, donc c'est ça. Ici c'est la 12e, 12 frets, octave. Vous avez 12e fret, on prend l'octave ici. 4e corde, 2e corde. Ça c'est 15e fret. 12 frets, 15. Ok, it is this. So you play, you move here, then that's it. That's it. Finish. Et la rythmique c'est La majeur.